Salut tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais vous apprendre à quitter le bypass. Vous allez voir que c'est vraiment super simple. Donc dans mon dernier tuto pour aller en bypass, j'avais fait ce sondage pour savoir si des personnes voudraient un tuto pour quitter le bypass. Et j'ai eu quand même beaucoup de retours qui me disaient oui, s'il te plaît, fais un tuto pour quitter le bypass. C'est donc pourquoi je vous retrouve pour ce tuto. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, qu'il est vraiment super simple. Vous aurez besoin de ce fichier pub. C'est le même nom que l'autre fichier pub que je vous avais donné. Et vous devez savoir que ce n'est pas le même. Faites bien attention à les différencier parce que cette erreur peut vraiment vous causer des problèmes. Ensuite, vous aurez besoin d'un ordinateur, vous aurez besoin d'une PS3 et d'une clé USB. Et normalement, c'est tout. Donc, on va directement attaquer ce tuto. Vous allez devoir aller dans votre clé USB. Ensuite, une fois ici, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler PS3. Donc hop, PS3. Ensuite, une fois ce dossier créé, vous allez l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous allez créer encore une fois un nouveau dossier que vous allez appeler UpDate. Comme je l'ai écrit. Voilà. Ensuite, une fois ceci fait, vous allez encore une fois ouvrir le dossier et mettre maintenant ce fichier à l'intérieur. Je vous le laisserai bien évidemment en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Oui. Vous devez savoir qu'il est vraiment assez gros. Donc il faudra une clé USB. De minimum 8 Go. Hein, c'est un petit conseil. Donc voilà. Alors hop, vous allez le mettre là-dedans. Donc comme je vous l'ai dit, il est assez gros. Donc une clé USB de 8 Go vous suffira. Si vous avez moins, ils vous diront que vous n'avez pas la place suffisante. Donc vous serez un petit peu embêté. Donc hop, ensuite, une fois qu'il sera créé, vous irez maintenant sur votre PS3 et vous irez, pardon, en mode recovery. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire. Donc pour commencer, je vais vous montrer sans vous parler, histoire que vous puissiez voir une fois par vous-même. Alors vous aurez besoin, pardon, d'écouter les bruits de la PS3. Ça va être vraiment très très important. Ensuite, je vais vous dire, je vais repasser le même clip en vous commentant ce que je vais faire. Donc c'est parti. Donc voilà, vous venez actuellement de voir le clip que je voulais vous montrer, donc maintenant je vais vous commenter ce que je fais. Donc pour commencer sur votre play, vous allez appuyer sur le bouton pour l'allumer, vous allez rester appuyé sur le bouton, elle va s'allumer, vous allez continuer à rester appuyé sur le bouton jusqu'à qu'elle s'éteigne à nouveau. Donc bien évidemment, ceci marche sur PS3 Slim, Super Slim et sur les PS3 Fat. Donc pour ça, il n'y a pas d'exception. Ensuite, elle va s'éteindre, vous allez à nouveau appuyer sur le bouton, vous allez entendre un bip, vous allez rester appuyé sur le bouton. Vous allez attendre 2 bips et là, cette fois-ci, vous allez enlever votre main. Ensuite, normalement, à l'écran, ils vous demanderont tout simplement de mettre un câble USB pour relier votre manette à votre play, car le mode recovery marche uniquement avec une manette câblée. Hein, je tiens à vous prévenir. Donc ensuite, je vous retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Donc retenons, alors une fois maintenant que vous aurez connecté votre manette à l'aide d'un câble USB et que vous aurez appuyé sur la touche PS. Vous irez ensuite ceci devant vous. Alors maintenant, vous irez dans la sixième case qui est mise à jour système. Alors on va y aller ensemble. Voilà. Alors maintenant, ensuite, une fois ici, ils vous demanderont de connecter un support de stockage, donc votre clé USB, avec la mage 4.46. Donc on va revenir au début du tuto que je vous ai fait, où je vous ai fait mettre le fichier PS3 Update. Hein, c'est cette clé USB qu'il vous faudra. Donc hop, maintenant vous allez la brancher dans le port droit de votre PS3, c'est très très important. Donc hop, je vais la brancher. Voilà. Donc maintenant, ensuite, une fois qu'elle sera branchée, vous irez appuyer en même temps sur Start et Select. Donc hop. Ceci permettra la recherche de votre clé USB. Donc ensuite, ne vous inquiétez pas, c'est assez rapide. Hein. Pas besoin de vous affoler et vous dire, oh, ma clé USB, elle n'est pas détectée, etc. Non, pas du tout.
Au truc, le USB est bien détecté, il faut juste un petit peu de temps. Après, c'est sûr, ça met une heure à chercher. C'est qu'un problème, c'est vrai. Donc ensuite, une fois que qu'elle sera détectée, ils ne vous demanderont même pas si vous voulez faire la mâche, enfin si vous voulez faire la mâche qui est dans cette clé USB. Ceci commencera directement, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Donc évitez de mettre deux fichiers PS3 Update. Hein, évitez de faire ça. Et faites bien attention à prendre le bon fichier, car si vous prenez le mauvais, ce serait un petit peu bête. Donc si vous avez un doute entre les deux fichiers, vous pouvez très bien supprimer les deux et télécharger le bon, que je vous laisserai évidemment en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc moi pendant le chargement, je vais couper ma voix et je vais faire un petit speed. Donc voilà, c'était vraiment super rapide. Donc maintenant, vous aurez ensuite ceci devant vous. Donc maintenant, vous ferez exactement ce qu'ils vous diront. Donc hop, vous appuierez sur la manette, utilisez la manette sans fil. Donc vous allez enlever le câble. Appuyez sur la touche PS. Donc c'est ce que vous allez faire. Voilà. Donc maintenant, ensuite, la recherche des données de la mise à jour vont commencer. Donc il va y avoir encore une fois un nouveau téléchargement, ne vous inquiétez pas, il sera aussi rapide. Donc maintenant, là je suis vite fait venu pour vous dire ce que vous devez faire, pardon. Maintenant je vais vite fait couper ma voix et revenir quand tout ceci sera terminé. Donc voilà, maintenant les téléchargements terminés, votre PS3 va surallumer normalement et vous serez plus en bypass. Donc la preuve que je suis plus en bypass, je vais vous montrer que je n'ai plus le petit truc install package file en bas. Voilà, il n'y est plus. Donc ceci est la preuve que je ne suis plus en bypass. Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai aidé plus d'une personne et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, bye!